Hola chicos, on est le 22 février et aujourd'hui donc on est à Kamchi sur l'île de Chiloé. On est arrivé avec Alice, son copain et évidemment Hugo et moi. On a logé dans un petit Airbnb bien sympa, on a profité, on a joué aux cartes, tout ce qui est sympa. Et donc aujourd'hui on a quelques heures pour se balader, donc on a choisi de venir sur l'île d'Aokar qui est aussi l'île des âmes vagabondes, je dirais. Je ne sais pas exactement la traduction. Isla de las almas navegantes. Et c'est très très sympa. Là, on est sur un grand pont qui nous relie à la presqu'île. Et on va un peu se balader. Après, on va rentrer puisqu'il faut qu'on aille à Dalkawe ce soir. Sauf qu'il n'y a pas de bus direct pour Dalkawe. Donc, il faut qu'on aille à une autre ville. Donc, on essaie de ne pas partir trop tard. Sachant qu'on a déjà réservé notre Airbnb pour ce soir, il faut à tout prix qu'on arrive dans la bonne ville. Donc voilà, on va essayer de pas trop traîner et de pas se retrouver bloqué en ayant payé une nuit pour rien. Voilà. Des bonnes empanadas, c'est Alice m'a pris un petit gâteau à la mûre, c'était super beau. Et là du coup on est parti en direction de Castro, donc on a une heure de trajet. Et après donc on sera arrivé à Castro, il faudra qu'on trouve un collectif pour arriver à Dalkawe, mais ça devrait pas être trop compliqué. Et voilà, et du coup là il faut toute l'après-midi pour profiter, donc c'est top. Hola chicos, on est le 23 février et aujourd'hui on vient d'arriver à Castro depuis Dalkawe. Hier on voulait faire, on avait prévu en fait de faire aujourd'hui à Dalkawe du kayak, mais c'était pas possible à cause du temps. Du coup bon, on s'est dit on va arriver directement à Castro, ce qui nous permet de voir Alice et Nicolas pour une dernière journée. Là du coup on est posé dans un food truck et il y a quelque chose que j'ai découvert et que j'aime beaucoup ici, c'est le mote con huesillo. Je vous montre. En fait, donc là c'est de l'ébli, là c'est du sirop de pêche et c'est une pêche sèche. Ça semble très bizarre, mais en fait c'est très bon, c'est tout froid et ça fait. Bon, là je le prends un peu en apéro, mais c'est plutôt une boisson qui fait un peu un goûter. Et ouais, c'est bon, c'est frais, c'est une boisson d'été et j'aime. Et pour continuer dans les trucs typiques, on mange une mechada vacuno. Donc en fait, c'est un sandwich avec de la viande de bœuf effilée, de l'avocat et de la tomate. Très très bon. C'est parti pour le parking municipal, puisqu'en fait ce week-end s'y tient la fête, la Feria Constituista. Donc apparemment il y a de la musique, des représentations sympas et de la bouffe. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a, il passe quelques heures et après on pourra rentrer et se coucher tôt parce qu'on est fatigué. Et demain on a une grosse journée puisqu'on a prévu de faire une journée de rando. Voilà. Vous amène encore avec nous sur la feria. C'est des bières de la brasserie Bosque Nativo de Castro et bon, en tout cas je sais pas pour la noire. Très bonne. Voilà, Hugo a pris une noire qui est très bonne et même moi la blonde est elle est très bonne, elle a beaucoup de goût. Donc ça nous change un peu des bières qu'on avait avant qui étaient très très légères. Là elles sont elles sont top, donc ça fait plaisir. Du coup oui, ça veut dire qu'on est rentré du festival, il doit être 18h30 et oui, il était temps de rentrer puisque les gens commençaient à s'en aller, donc voilà, on s'est dit qu'on allait se reposer, faire un peu de montage de vidéo avant d'entamer la grosse journée de demain. Alors là il y a notre hostel,
Et en fait, comme la marée s'est retirée tout à l'heure, il y avait de l'eau tout là, et là, il n'y a plus rien. Et je ne sais pas si on vous l'avait dit ici, mais en fait, on dort dans un palafito, dans un hostel palafito. Et un palafito, c'est une maison sur pilotis ici. Je vais vous mettre 2-3 images pour que vous vous rendiez compte, c'est très très sympa. Hola chicos, on est le 24 février. Aujourd'hui, donc ce matin, on est parti de Castro assez tôt pour venir ici. Donc là, on est sur la commune de Cucao et on va aller voir quelque chose qui s'appelle le Muelle de las Almas. Hola. Et donc je vous spoil pas trop, en tout cas ça a l'air très très sympa. On a peur qu'il y ait un peu de monde, du coup on se presse un peu pour marcher, mais on profite quand même de la balade. Et donc on en a là pour 50 minutes de marche. Ça y est, on est arrivé. Et comme prévu, bon, il n'y a pas trop de monde. Donc c'est cool, on va pouvoir faire une jolie photo, profiter un peu du pont. Et après, je vous raconterai la légende qu'il y a derrière ce pont. Alors concernant la légende derrière ce pont, puisque l'île de Chiloé est vraiment une île qui est remplie de légendes, en fait ce pont, théoriquement les anciens disent que quand une personne meurt, son âme elle doit voyager jusqu'ici et il faut appeler le Balsero Tampilcahue, pardon, qui va faire le voyage en fait sur un bateau blanc de mousse et donc il va amener cette âme vers le ciel et il faut en fait payer le voyage avec des pierres précieuses si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est une belle signification et c'est seulement une seule des légendes hein, sur cette île. On en a encore plein d'autres que Nicolas le copain d'Alice nous a raconté, donc voilà, c'est vraiment c'est un lieu qui est un peu chargé de magie, donc c'est très agréable de passer un peu de temps par ici. Et on est déjà sur le retour. On est fatigué mais on est content. Oui, parce qu'il est actuellement 1h du matin et on part dans 1h seulement. On n'a toujours pas dormi et on était en trek toute la journée. Donc on est un peu crevé. On ne sait pas si on va dormir. Et c'est parti pour 4 heures de trajet. C'est parti.